Bonjour, Hervé Matou avec vous. Franck Sauzet à mes côtés pour suivre ce match international. Et le favori, on le connaît évidemment. Ça semble ne faire aucun doute en effet. Encore que. Bon, on va pas terminer la présentation de ce match sans évoquer l'arbitre. Ben oui, c'est plutôt un adepte du jeu. Ça, c'est quand même intéressant. Et il n'aime pas trop intervenir pour ne pas trop hacher le rythme. L'arbitre vient de donner le coup d'envoi. Et maintenant, il va falloir centrer. Oh, belle passe. Oh, le beau tir. Oh, il attrape le montant. Le ballon sort en corner. Oh, la bonne passe bien dosée. Oh, la jolie frappe. Ah non, là, c'est fini. Oui, il l'a trouvé dans la surface. Un centre bien négocié par le gardien. Il avait bien senti le coup. Ouais, idéalement servi, attention. Ah non, l'action qui n'est pas terminée, attention. Il se dispute le contrôle du ballon. Ivica Olic. Le ballon qui file en touche avec cette passe mal assurée. Une petite anecdote sur l'Euro. Franck, vous qui avez disputé cette compétition avec les Bleus en 1992 en Suède, Michel Platini sélectionneur. Je pense que les gens auront surtout retenu la victoire en surprise des Danois dans notre parcours. Je n'y reviendrai pas, Hervé. Ah, vous avez raison, n'y revenons pas. Ça ferait trop mal. Élimination au premier tour. Modric. Oh, en danger avec ce centre. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ah, c'est dangereux, ces ballons qui traînent. Les ballons rendus à l'adversaire. Et on balance devant. Ivica Olic. Dario Serna. C'est un joueur réputé pour ne rien lâcher. Et en passe. Il va devoir protéger son ballon. Oh, le bon ballon! Il soulage sa défense avec ce dégagement. Ils obtiennent un corner. Il a mal tiré le corner, le ballon qui change de camp. Ce ballon est perdu. Kitic. Oh,
Oh, c'est parti. Ouais, le poteau. On ne se pose pas de questions, moi, devant. Et c'est une touche pour la Croatie. Ballon perdu. Rakitic. C'est un très bon ballon, ça. Et la défense qui est sur ce centre, pas de problème. Ça file en touche, remise en jeu croate maintenant. Ah oui, bien vu la passe. Allez, on dégage loin devant. Ça revient dans les pieds de l'adversaire. Ça donne un bon ballon. Ouais, très bien joué ce centre. Allez, il faut dégager ça vite fait. Et l'attaque qui est très marque. Et comme quoi il n'est pas nécessaire, Hervé, toujours de frapper fort pour marquer. Ce ballon placé au ras du poteau en est la preuve. Ouais, c'est donc l'ouverture du score 1-0. Tourner. Ah, ça peut être dangereux, il est bien lancé. Ok, elle est bien partie. Ivica Olic. Ah, c'était impossible à contrôler quasiment. De temps additionnel. Une bonne passe, oui. Une belle passe. Une, deux. Ouais, il est bien placé. Et il repousse le danger. Et c'est bien parti pour la Croatie dans ce match puisqu'elle mène à la mi-temps. Le